Bonjour, bonjour mes petits chats. Je bagarre depuis hier. Alors attendez, on est quand là? On est quel jour? Mercredi. Il est 8h30, 9h je crois. Depuis hier matin, je me bagarre avec ma vidéo que je dois vous poster depuis hier déjà. Je fais que supprimer. Après ça, a du mal à charger. Ça veut pas exporter. Je la mets. Je suis obligée de supprimer parce qu'il y a droit d'auteur. Parce que j'essaye de vous mettre des petits trucs sympas pour les changer. Il n'y a pas moyen. Donc à partir de maintenant, mes petits chats, ça sera du simple au simple. C'est je parle, vidéo, ma petite musique que je mets habituellement. Et ça sera que comme ça. Parce que ça fait depuis hier matin que j'essaye de faire des choses. Et ça ne marche pas. Donc encore ce matin, heureusement que j'avais programmé pour 8, midi. Je regarde et marqué quoi? Droit d'auteur parce que je vous avais fait un petit... Comment on appelle ça? Pas une miniature, un petit truc du début, quoi. Donc, ça n'a pas passé. Voilà. Donc, je vous laisse là. Puis, je vous laisse avec la vidéo. Je recommence. Au début, donc, elle sera en ligne dans la journée. Je ne peux pas vous dire ce matin, cet après-midi. Je ne sais pas. Donc, elle sera en ligne dans la journée. Voilà. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. Et je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous. Et encore bisous. Donc là, je frottais ma table avec le Fabuloso de chez Action au citron. Il est super bien aussi celui-là. Et puis là, demain, comme je dois aller faire des photos à Alan, des photos d'identité à Alan, faire la photocopie des feuilles d'impôt, parce que vendredi, il retourne au collège pour déposer le dossier, mais il va toute la journée, il m'a dit. Passer la dernière journée d'école avec ses copains, les surveillants et tout ça, ils vont faire un foot, un truc comme ça. Il m'a dit, je sais plus, enfin bref. Et du coup, demain matin, je m'en vais. Ah bah ouais! Non, pas demain matin parce que j'ai ma coiffeuse qui vient à 11h. Elle va repartir sur le coup de midi et demi, ouais. Donc après, je prendrai le bus. Ouais, je prendrai le bus avec Alan à 1h05 là. On va aller manger à Sumbwé, je vais faire les photocopies et de là, je passerai à Action. J'irai faire tour à la farfouille, je passerai à Action, acheter quelques produits pour un bon retour de produits finis au mois de septembre. Là, je ferai peut-être la semaine prochaine qu'est-ce que j'ai là, comme ça je repartirai à zéro. Ouais, j'ai même la filmer cet après-midi parce que j'ai mes poubelles jaunes qui passent demain, comme ça je mets tout. Ouais, ben voilà, parce que j'ai ma poubelle qu'elle passe demain, donc je vais vous faire la vidéo cet après-midi et je vous la mettrai la semaine prochaine, comme ça moi je repars à zéro en fait avec mes produits. Comme j'en ai fini encore un hier, au moins je serai tranquille avec ça. Donc voilà. Donc là, je fais ma petite vaisselle, hein, comme vous pouvez voir. Hein, petite vaisselle, mais j'aime bien moi faire ma vaisselle. Avec du bon produit vaisselle, j'adore ça. Donc là, comme vous pouvez constater, je fais la vaisselle et puis je mets la thermos de monsieur sur le côté. Comme ça, le matin, il y a jusqu'à... Il n'y a pas besoin de chercher, en fait. Tout y est sur le côté. Donc après, il y a son gobelet avec sa fourchette, son couteau et sa petite cuillère. Et puis comme ça, il n'y a pas à aller chercher dans l'armoire ou quoi. Il y a juste qu'à prendre là. Tous les soirs, je le mets de côté. Et comme ça, il n'y a plus qu'à servir. Et puis, content, au moins, ça gagne de temps déjà pour lui aussi, quoi.
Après, la gamelle, elle est dans le frigo, tu y es prêt dans le frigo, donc il y a juste qu'à prendre et mettre dans la glacière. Donc là, je nettoyais bien mon évier et surtout quand vous avez bien frotté, enfin vous avez mis votre produit, vous avez bien étalé votre produit, vous avez bien rincé, etc., etc. Surtout, essuyez bien au sec, comme ça il n'y a pas le dépôt de calcaire qui va se déposer, vous voyez. Et donc une fois que j'avais bien essuyé au sec, moi j'ai mis dans le, je le fais souvent au soir dans le bazar, là je mets de l'huile essentielle, je mets de l'huile essentielle comme ça. Ça sent bon, le lendemain, vous vous levez, ça sent super bon dans votre évier en fait. Et je dansais un peu parce que c'était la chaîne la 3. Monsieur était parti coucher, il était 8h30, je crois. 8h, oh, je sais plus. Et je sais pas, il y a un petit truc qui passe là avant le film avec des musiques. Et puis c'était, vous voyez, il y avait de la musique ambiançante. Et puis du coup, je dansais. Je dansais. Ça m'a refait une petite jeunesse parce que c'était des musiques des années 80 et tout ça. Donc ça m'a refait. Petite jeunesse, donc je dansais un petit peu quoi. De là, donc j'avais fini ma vaisselle et tout ça, je me suis fait un petit cappuccino en entendant comme ça. Après, je pliais tout mon linge en fait. Comme ça, c'était ma routine du soir là, de ce soir-là en fait. Donc je faisais un cappuccino, donc j'attendais ce que je mettais de l'eau, je touillais, je laissais poser parce que la mousse, comme c'est le cappuccino de Lidl, la mousse elle baissait. Donc à chaque fois, il fallait que je rajoute de l'eau jusqu'à temps que c'était bon quoi. Donc de là, je plie mon linge, donc je commence par mes serviettes. Donc j'avais fini de plier mon linge, j'ai fermé la persienne de devant, derrière c'est encore ouvert, et puis là j'ai allumé la petite bougie de chez Action. Ben écoutez, hier, ben, du soir je l'avais allumée, ben, pour moi je sais pas, il n'y avait pas. Bonjour mes petits chats, comment allez-vous en ce mardi 4 juillet, et il est 6h30. Alors, le temps, ben, il va faire beau, on aura une belle journée. Je pense qu'on aura encore du vent. Je viens de prendre mes lavettes. Là, j'ai une machine de blanc qui tourne. Et je me suis levée de bonne heure parce qu'aujourd'hui, je garde mon petit-fils jusque 13h. Du coup, je vais faire mon petit ménage. Donc, ça a rangé. Donc, aujourd'hui, vous aurez partie cuisine. Une chaussette par terre.
Donc, je vais vous inclure en même temps ma routine du soir. Qu'est-ce que je fais le soir quand monsieur est pas couché? Donc, j'ai déjeuné, je vais débarrasser. Je vais donner un coup sur mes portes et puis je vais donner un coup sur mes sols. En fait, hier, je devais faire la continuité, mais j'avais pas envie, en fait. J'ai été promener hier, j'étais à Action. Bah, j'ai acheté qu'une petite bougie. Bah, je l'ai allumée là, mais elle sent quand on la sent. Mais allumée, elle sent pas, quoi. Donc, voilà, une petite bougie comme ça, elle coûte 96 centimes. Alors, attendez, hop. Voilà, c'est une comme ça, ambre doux. Et puis j'ai pris que ça, il n'y avait rien qui m'attirait, même en produit d'entretien. Je sais pas, c'était vide. Donc quand on y va l'après-midi, j'ai remarqué que c'était toujours vide à mon Action. Donc voilà, après j'ai à débarrasser là, et puis voilà. Donc j'espère que vous avez passé une excellente soirée, une bonne nuit. Donc moi là, je vais vous poser, et puis je vais me dépêcher. Parce que ma fille, elle me dépose mon petit-fils à 8 h. Donc, top chrono! Donc c'est vraiment un ménage quotidien, un rafraîchissement. C'est pas du grand ménage, non, 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 non. C'est comment, ben, en fait, comment vous entretenez votre maison tous les jours, en fait. Voilà. Donc j'ai nettoyé mes pieds de table, enfin, je donnais un coup de pitch-pitch. J'ai donné un coup sur mes portes, ils étaient pas sales, mais je donnais un coup. J'ai donné un coup sur mon four, et puis voilà quoi. Et puis là, je fais mon tabouret, puis après je vais passer au lavage des sol. Alors n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout. Mettez, cliquez sur le pouce en haut et activez la petite cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir les notifications en temps et en heure. Donc, si ça fonctionne pas, vous la désactivez et vous la réactivez. Je vous mets aussi mon nom de mon autre chaîne, ma chaîne secondaire où il y a des vlogs en fait. Donc soit je vais réunir plusieurs jours et je vous fais un vlog, ou si j'ai un truc dans la journée, je vous fais un vlog, mais je poste une fois par semaine, à voir 2 fois par semaine. Mais logiquement, là en ce moment, c'est une fois par semaine et je trouve qu'il y a assez quoi. Mais là, au mois d'août, au mois de juillet, je vais partir en vacances, une journée avec ma fille, je vais vous filmer. Au mois d'août, je m'en vais, je vais vous filmer. Là, je mettrai sur l'autre chaîne. Regardez dans mon seau, tellement que l'eau elle est bouillante, bouillante, vous voyez, ça fume. Regardez la fumée, elle sort. Alors, je peux pas vous mentir, là. Vous voyez bien que je mets des bouilloires et des bouilloires d'eau bouillante et très peu d'eau froide. Donc j'avais fini le coin cuisine, enfin de cuisine. Du coup là je passe l'aspirateur entre le salon et la cuisine, mon petit espace là que je mets les banquettes et tout ça. En fait là je pourrais faire quelque chose mais je sais pas quoi. Si vous avez des petites idées, ce que je pourrais mettre là, vous savez, pour l'hiver, enfin faire un truc pour combler le trou quoi. Dites-moi, parce que d'habitude je mettais les banquettes, enfin d'habitude je mets les banquettes, je les mets encore, mais là on va acheter des housses comme ça pour aller laisser dehors en fait. Mais là, je me demande qu'est-ce que je pourrais mettre. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Tiens, et
Donc voilà, je vais voir qui est-ce qui regarde la vidéo, au moins jusqu'au bout. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que je pourrais combler avec le trou entre le fauteuil et la cuisine. Allez, à vos claviers, je vous attends. Je faisais l'autre côté de cuisine, donc voilà. Ça fait beau, le sol il brille. Regardez, ça serait bien s'il resterait comme ça brillant. Est-ce que parmi vous, vous avez du carrelage brillant sur vos sols? Bah ouais, pas Nathalie, pas au plafond, enfin. Donc dites-moi si c'est efficace du carrelage brillant, parce que c'est vrai que c'est beau à regarder. Hein. Et c'est vrai que c'est beau, quoi. Au moins, comme. Bah non, ma fille, elle pose déjà avec la société. Mince, ouais. Mais dites-moi si vous avez du carrelage brillant, vous. S'il y en a parmi vous qui a du carrelage brillant. Et si à l'entretien, c'est efficace et tout ça. Franchement, parce que moi, j'aime bien. Franchement, je vois des youtubeuses, elles ont du carrelage blanc, là, brillant. Mais c'est vrai que c'est beau, hein. Donc là, j'avais fini. Donc, je frotte bien en dernier avec le. Ah, la serpillière, parce que j'ai un rebord, je ne sais pas si vous voyez. Donc, à chaque fois, en dernier temps, je tords bien ma serpillière et puis je frotte le rebord. Ensuite, il y a mon compteur qui est à côté, donc je donne un coup sur mon compteur. Pareil, je le fais à chaque fois que. Parce qu'un coup, je lave là, je vais par dehors, ou un coup, je vais ouvrir là, mais je vais partir vers la salle de bain. Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Et ensuite, j'ai donné un coup dehors aussi, où il y a la lampe et tout ça. Au moins c'est fait, parce qu'à des mois il y a des toiles d'araignée, des trucs comme ça, quoi. Donc après, ben, mon tapis était sec. Oui, il était sec, n'importe quoi, mais je vous raconte n'importe quoi. J'en rigole moi-même parce que j'en ai ras-le-bol. Franchement, j'en peux plus de moi et mes mots, là, j'en peux plus. Donc je mettais mon tapis là, au sol, et puis je rentre, et puis je commençais à faire mes poussières du vaisselier. J'ai trié mes papiers. Après, j'ai tout remis en place et puis voilà. Donc, mes poussières, je le fais 2 fois par semaine, mes poussières du vaisselier. J'ai une abonnée, donc je vais le dire là maintenant si j'ai le temps. Une nouvelle abonnée, donc très gentille, commentaire super gentil. Coucou, moi je m'appelle Nat. Elle me dit donc bienvenue à toi, Nat. Et elle me demandait au niveau de la déco, elle dit est-ce que tu vas faire de la décoration? Donc, moi. J'ai répondu, qu'est-ce qu'il a l'idée? Donc, déco, j'ai dit, ben, moi, c'est une petite pièce, hein, ma pièce à vivre, elle n'est pas grande, donc je veux pas encombrer, en fait. Mais toi, si tu regardes ma vidéo, toi, tu parles de quoi au niveau de décoration? Parce que je crois que j'ai peut-être pas compris qu'est-ce que tu voulais me dire, en fait. Donc, dis-moi plus précisément en déco, mais je veux pas trop encombrer. Et après, déco, ben, on a des projets comme tout le monde. Hein. On doit changer de fauteuil, on doit changer la table basse, mais selon les moyens, je vais crescendo en fait. Comme j'ai déjà dit, je redis, tous les mois, j'essaye de mettre un billet de côté. Dès que j'ai la somme, hop, j'achète. Mais tant que j'ai pas la somme, je vais pas faire des crédits pour acheter ça. Je vais pas faire un crédit pour acheter ça. Je préfère mettre la somme tous les mois, avoir, peut-être pas tous les mois, qu'est-ce que je peux mettre de côté, et une fois que la somme elle est réunie, oui, comme là, on est en ce moment, j'ai en train de faire pour le fauteuil, je pensais que j'aurais pu pouvoir le changer là, en début d'année prochaine, mais je pense que, non, faut que j'attende encore un peu, au moins que, mais je pense pas, je crois que je vais encore le garder, peut-être pas une année complète l'année prochaine, mais une bonne partie encore, quoi. Donc voilà, donc je te réponds comme ça, mais si jamais tu as une autre idée de décoration, dis-le moi en commentaire. Voilà. J'espère que j'aurai bien répondu. Mais sinon, je veux pas encombrer tout ça et tout ça, quoi.
Donc voilà, donc poussière faite, papier trié. Donc là, je lui donne un coup sur ma porte d'entrée. Donc quand il fait bon, je le fais une fois, voire deux fois dans la semaine. Et puis quand il pleut, ben j'attends qu'il refait bon pour la refaire, quoi. Mais j'aime bien que ma porte, au moins qu'on vienne frapper à votre porte. La porte, elle est propre. Et là, vous dites, ah, ça doit être propre, cette dame-là, parce que la porte, elle est propre. De là, je passe aux poussières de. Comment on appelle ça? Aidez-moi, s'il vous plaît, vite. VMC, fléchette, et j'avais des toiles. Alors, je crois que c'est des toiles de. Comment vous dites? Il y a des abonnés me l'ont déjà dit, mais je ne sais plus. De poussière, des toiles de poussière. Donc, j'ai donné un coup, parce qu'il y en avait une là. Je suis pas loin du la VMC. Donc, je l'ai enlevé tout de suite, et puis j'ai donné un coup. Comme ça, hop, c'est fait. Et vendredi, je pense que. Parce que demain, n'oubliez pas, j'ai la coiffeuse. Donc, je ne sais pas si vous aurez une vidéo ou une toute petite vidéo. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Et vendredi, je vais nettoyer au niveau de mon horloge et tout ça, quoi. Et ben, si je vais vous faire une vidéo demain, ça sera un nettoyage de porte. Porte cuisine et salle de bain. Et je vais donner un coup sur ma porte-fenêtre, sur les vitres. Et je vais donner un coup de balai vapeur. Donc, je vais me lever à 6h15 du matin pour faire tout ça. Comme ça, le temps que je vous exporte la vidéo et tout, parce que là, depuis hier, franchement, je galère avec la vidéo. J'ai mis de la musique, droit d'auteur, c'est pas ça. J'ai mis ça, pas ça, c'est pas. Donc, j'ai recommencé au moins, je vous mens pas, au moins 6 fois, là, depuis hier. Et pas moyen d'exporter. Donc, là, j'espère, croisons les doigts, croisons les doigts, croisons les doigts, mes petits chats. Voilà. Donc, c'est vraiment un petit ménage, là, pour rafraîchir, on va dire. Quotidien, rafraîchissement, ménage, ouais. Ouais, ménage, rafraîchissement. Donc, j'ai fait au-dessus du vaisselier. J'ai lavé les sols. J'ai donné un coup microfibre sèche. Vous avez compris. Ah, vous me connaissez maintenant. Après, je voulais motiver. Je voulais faire mon carreau et tout, ma haute et tout. Mais il est déjà 8h02. Donc, ma fille, elle va arriver avec le petit. Donc, j'ai dit stopping. On arrête là. Donc, j'ai nettoyé ma porte d'entrée. Donc, ouais, c'est vraiment un petit ménage quotidien, on va dire. Hein. Un rafraîchissement. Donc, là, c'est ouvert. Là, il y a ma machine qui finit. Là, il reste 15 minutes. Voilà, j'ai mis mon salon de jardin dehors. Comme ça, je pourrais rester là que je tiens. Je vais me faire un cappuccino, tiens. Voilà, donc, hier soir, j'avais lavé les lavettes à 60 degrés. J'avais oublié de les pendre. Du coup, je les ai pendues là. Puis voilà, ben une belle journée s'annonce, mes petits chats. Hein. Donc voilà. Ah, et puis j'en ai marre toujours de dire voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je dois ranger mes épingles. Et ça. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Profitez du beau temps si vous en avez. Ouais. Ouais, ça a été chaotique 2, 3 jours, mais là, apparemment, ça va revenir. Donc, on verra bien. On verra bien. Ouais, donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Avec qui? Avec Bibi. Ah, au pire, dites-moi si vous voulez vraiment, si vous voulez quand même, comment on appelle ça? Un live demain après-midi. Et puis la semaine prochaine, on bascule à mercredi, à mardi. Donc dites-moi si vous voulez demain à 13h30, là, comme d'habitude. Vous me dites en commentaire. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, mes petits chats.